Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Arcangélion. Je vous prends comme ça, là, juste avant de commencer ma session de quête. Il semblerait qu'il y ait du nouveau, il y a eu une mise à jour, et donc comme vous voyez, là, il y a pas mal de paquets qui sont en train de tourner. Cliquez pour continuer. Donc derrière, on dirait qu'il y a carrément des decks. Ouais, et là, c'est des paquets, quoi. Bon, allez, on y va. Renouveau à venir. D'accord. Vous recevrez un cadeau lors de cette saison du renouveau. D'accord. Alors, pouvoir au peuple. Découverte antique. Donc ici on est sur un Hours of, hein, magie blanche et noire. Ici on est sur un Boros, magie rouge et blanche cette fois-ci. Là ici on est sur un Grul, puissance des dinos. Grul donc magie rouge et verte. Deuxième chance, Izette, donc magie bleue et rouge. Ici on a un Azorius, donc magie blanche et bleu, c'est obtenu. Donc tout ça c'est des nouveaux. Ah et puis il n'y a pas que ça. Donc là Rakdos, faction hors la loi. Rakdos donc école de magie noire et rouge, ici noir et vert c'est du simic, heure du goûter. Ici fourberie des Fyris, donc là on est sur du Dimir, magie, école de magie bleue et noire. Là ici on est sur du Selenia, donc carte, enfin magique, magie blanche et verte, avec Ancel. Et Oasis, c'est encore un Simic. Il y avait deux Simics. Où j'ai convenu. Ah, j'ai convenu avec Golgari. Ici, on est sur un Golgari, noir et vert. Le Simic, c'est ici, c'est bleu et vert, excusez-moi. Oasis, ok. Bon, bah écoutez, on récupère. Hein. Wow. Bah, on récupère. Hop, profil, c'est quoi? Bon, maîtrise d'extension 99, de toute façon se termine dans 20 jours, d'accord, ok. On est à 12. Ouais, bon bah écoutez, je sais pas si on a récupéré tant de nouvelles cartes que ça. J'ai pas l'impression. Non. Mais bon, la plupart du temps, je pense qu'ils ont tapé dans les trucs, ou de toute façon, au niveau des collections, j'en ai quand même déjà pas mal qui sont bien hautes. Donc, pour moi, ces cartes-là, c'était pas ce qu'il y avait de plus utile. Excusez-moi, je vais faire un petit tour. Au niveau. Ok. Ouais, rien d'intéressant, c'est que de la merde. Hop. Bon bah je vous laisse, c'était simplement pour vous montrer ça, qu'il y avait eu des offres bleu et rouge en Izette. Oh, j'ai pas envie de jouer en Izette moi. Bon allez je vous laisse, à plus. Salut salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Arcangélion. On se retrouve donc après que j'ai loupé un épisode à cause de mon Nvidia, évidemment comme d'hab. Donc il y a un épisode que vous verrez pas.
J'ai récupéré quelques cartes nouvelles, mais pas tant que ça. Sur les 3 boosters, il y en a eu 5. Ensuite, donc ici on est toujours à 111, donc on est à 111 au niveau de la maîtrise de. La maîtrise de niveau. Aujourd'hui c'était joué en noir et vert, donc j'ai joué mon Golgari. Au niveau des annonces. Zut, c'est pas là. Les rotations à venir, puisqu'on va avoir de nouvelles rotations, hein, Dominaria Uni, Hachimi, Dominaria, la guerre fratricide, Hachimi, guerre fratricide, tous Phyrexiens, et Hachimi Phyrexia vont sortir de la rotation du cercle Hachimi. Pour la rotation au niveau du standard, c'est Innistrad, donc les deux Innistrad, Noce Écarlate et Chasse de Minuit, Kamigawa et les rues de la Nouvelle Capena qui vont disparaître du format standard. Donc voilà, ça c'est pour les nouvelles. On est à 2010 pour les gemmes, on est à 124 400 pour les couronnes. On a 5 courants, 2 inhabituels, et le coffre est ouvert à 1,7%. 3 jetons draft et 3 jetons lancez-vous dont on ne fera rien. On va sur les boosters, je suis désolé, on était à 9, mais, on était à 12, maintenant on est à 9. Allez, on en ouvre 3. Ok, on commence avec Vélocité de Libération, carte rouge qui arrive au premier round. C'est une carte qu'on peut présenter puisqu'on ne l'a pas vue. Enchantement aura, donc enchantée créature. La créature enchantée gagne plus 1, plus 0 et à la célérité. Échapper, donc 2 mana dont un rouge. Exiler 2 autres cartes de votre cimetière. Petite phrase, désormais même la mort ne peut plus m'attraper. On continue avec Cyclope déconcerté. Carte rouge qu'on connaît, on l'a eu, c'est une des cartes que j'ai eu le coup d'avant. Donc carte rouge qui arrive au quatrième round, c'est une créature cyclope à l'équipe et de la portée. À chaque fois qu'au moins 2 créatures que votre adversaire contrôle attaquent, le cyclope déconcerté ne peut pas bloquer pendant ce combat. Petite phrase, un cyclope est lent à réfléchir mais rapide à frapper. Faites-le réfléchir le plus possible, Brigor. Soldat de Mélétis. On enchaîne avec Frisson de probabilité, carte rouge qui arrive au deuxième round, c'est un sort d'éphémère. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte, piochez 2 cartes. Petite phrase, là, en ces premiers instants de création, c'est à la fois tout et rien. On enchaîne avec Mépris selon la déesse de la mer, carte bleue qui arrive au sixième round, c'est un sort de rituel, renvoyer jusqu'à 3 créatures ou enchantements ciblés dans la main de leur propriétaire. Ensuite, Lampade de la veille des morts, donc carte noire qui arrive au deuxième round, créature enchantement nymphe, pour 1, sacrifier une créature, chaque adversaire perd 1 point de vie, vous gagnez 1 point de vie. Petite phrase, envahie par le chagrin, elle pleure l'ultime mort de chaque mortel. Psemilla, poétesse méléticienne. On enchaîne avec Sentinelle grondante, carte blanche qui arrive au cinquième round, créature géant. Quand la sentinelle grondante arrive sur le champ de bataille, regard 1. 3 en force et 6 en défense. Je voulais présenter mais je l'avais déjà. Batailleur du monde souterrain, carte noire qui arrive au troisième round et qu'on connaît. On enchaîne et voilà une nouvelle carte rare, ce qui nous fait 5 courants, 2 inhabituels, 1 rare et le coffre est ouvert à 1,7%. Allez, on enchaîne. Ok, traîner dans le monde souterrain. Carte noire qui arrive au quatrième round, c'est un... Ouais, donc carte noire qui arrive au quatrième round, on l'a déjà de toute façon. Témoin de l'avenir, carte bleue qui arrive au cinquième round, créature enchantement sphinx, équipée du vol, et pour 4 mana dont 1 bleu, regard 1, 3.
3 en force, 4 en défense, petite phrase. Lorsque le futur rejoint le présent, il ne me concerne plus. Eidolon de philosophie, carte bleue qu'on récupère encore une fois, hein, et qu'on connaît bien, qui arrive au premier round. Héros de ceux qui sont nés à Donyx, carte Boros, donc école de magie rouge et blanche, qui arrive au troisième round. Créature, enchantement humain, soldat. Quand le héros de ceux qui sont nés de Nyx arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature 1-1 blanche humaine soldat. À chaque fois que vous lancez un sort qui cible un héros, ceux qui sont nés de Nyx, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. 2-2. Donc 2 en force et 2 en défense. Ok. Coursière née de Nyx. Carte blanche qui arrive au troisième round, créature enchantement, centaure, éclaireur. Il fuit à Kétaphos, pourchassé par l'orage. Et il vit des plaines qu'éclairaient les étoiles, accueillant des centaures, leur offrir en hommage. Pommes d'or et galettes dont ils firent régal. La Calafée. 2 en force et 4 en défense. On enchaîne avec Auréade du Brasier des Montagnes, carte rouge qui arrive au deuxième round. On enchaîne aussi avec Don de Force, carte verte qui arrive au deuxième round. C'est un sort d'éphémère. La créature ciblée gagne +3/+3 et acquiert la portée jusqu'à la fin du tour. Petite phrase. Le bois naissant n'est jamais dénué de protecteur. Ok. Actos, l'épargné. Carte Boros, donc école de magie rouge et blanche. Créature légendaire, humain et guerrier. Actos, l'épargné. Attaque à chaque combat si possible. Au moment où Actos arrive sur le champ de bataille, choisissez 2, 3 ou 4 au hasard. Actos a la protection contre chaque valeur de mana autre que le nombre choisi. Ok. Nombreux sont ceux qui ont cherché mon point faible. Tous ont échoué. Bah pourtant, tu meurs dès le premier contre. Hein. Ouais. Ah, mais elle vole cette carte. Elle a le vol ? C'est pas marqué qu'elle a le vol. Pourtant elle bouge dans les airs, donc elle devrait avoir vol normalement. Moi je sais pas, c'est bizarre. Ah, mythique, donc 5 courants, 2 inhabituels, 1 rare, 1 mythique, et le coffre est toujours ouvert à 1,7%. Alors, fileuse de la destinée, carte verte qui arrive au deuxième round, c'est une créature enchantement humain. Les sorts de créatures de l'enchantement que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés. Pour 4 mana dont 1 vert, le terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature XX élémentale avec le piétinement et la célérité jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre d'enchantements que vous contrôlez, c'est toujours un terrain. 2 en force, 3 en défense.
On continue avec volonté indomptable, carte blanche qui arrive au deuxième round et qu'on connaît. On enchaîne avec voleur du temple, carte noire qui arrive au deuxième round, créature humain et gredin. Le voleur du temple ne peut pas être bloqué par des créatures enchantées ou des créatures enchantement. 2 en force, 2 en défense. J'ignore si les dieux surveillent les temples, mais j'imagine que la discrétion est de mise. Juste au cas où. On enchaîne avec le triomphe d'Anax, carte rouge qui arrive au troisième round et qu'on connaît. Ensuite, augure des forges, carte rouge qui arrive au deuxième round. C'est un enchantement, il est équipé du flash. Quand l'augure des forges arrive sur le champ de bataille, il inflige de blessures à n'importe quelle cible. Pour 3 manas, dont un rouge, sacrifier l'augure des forges. Regarde. Petite phrase. Mon heure viendra quand le monde entier aura été reforgé dans les flammes de ma création. Rite funéraire, carte noire qui arrive au troisième round et qu'on connaît. Entraînement cétacien, carte verte qu'on connaît bien et qui arrive au deuxième round. Manger jusqu'à l'extinction. Carte noire qui arrive au quatrième round. Exiler une cible, une créature au Planeswalker. Surveiller 1. Petite phrase. Croxa dévore tout ce qu'il peut, non pas pour se nourrir ou par plaisir, mais parce que c'est dans sa nature. Il est l'incarnation de la faim insatiable. Clotis, déesse de la destinée. Ok. Bon, eh ben écoutez, on va aller voir un peu au niveau du profil. Alors, d'où qu'il est le machin? Ici. On est à 47. Teros, par-delà la mort. Et donc, on en a 4 mythiques, 15 rares, 45 inhabituels et 55 au niveau des courants. Ok, bon, bah, ça monte un petit à petit, hein, 47. Prochain, normalement, on devrait passer le 50, enfin, du moins être au moins 50. 49-50, certainement. Bon, bah écoutez, il est temps de se laisser. Allez, bye bye tout le monde, salut.